Face au caractère violent de l'épisode qui va suivre, la chaîne Crassolis vous propose de découvrir l'histoire extraordinaire de Stuart le prodige. Salut à toutes et à tous, c'est Créasoli, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très mal. Et vous savez pourquoi ça va très mal? Tout simplement parce qu'on se retrouve à nouveau sur le jeu le plus terrible, le plus horrifique de 2013, à savoir Outlast. Et on est là ensemble pour cet épisode 2. L'épisode 1 s'est très très bien passé pour moi, j'ai réussi à survivre. Et on continue d'ailleurs cette histoire avec comme objectif, regardez, on va le regarder ensemble. Objectif, redémarrer le groupe électrogène au sous-sol. Alors, on va descendre dans ce fameux sous-sol. Très, très inquiétant. Belle gestion des ombres, il n'y a pas de souci. Et on va tenter d'en savoir plus. Bon, ça a l'air safe. Allez, on continue. Alors, je tenais juste à vous souligner quelque chose. À l'heure où j'enregistre cet épisode 2, je viens de publier il y a quelques heures l'épisode 1 sur YouTube, et donc forcément j'ai pas encore de retour de votre part sur des éventuelles choses que j'ai oubliées ou des trucs qui vous ont pas plu à pas refaire pour la suite, donc je suis vraiment désolé, mais le fait est que j'ai pas forcément la possibilité de faire ces rectifications ou de changer ma façon de faire par rapport à l'épisode 1. Donc j'espère vraiment que cet épisode 1 vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce qu'il y a un scénario très important à suivre. D'ailleurs, on va le continuer dès maintenant. Et si vous avez regardé l'épisode 1, j'espère qu'il vous a plu et qu'on se lance ensemble pour la suite de l'aventure. C'est parti. Oh putain, c'est quoi cette histoire-là? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Allez, même pas peur. Même pas peur. Ah bah ça, c'est le groupe électrogène. Alors, est-ce que c'est safe ici? Ça a l'air. On n'a pas de bruit, en tout cas. Allez, on y va. Activez les deux pompes et le disjoncteur principal pour redémarrer le groupe électrogène. D'accord. Ok, bah super. J'avais pas prévu de faire ça. On y va. Bon, là, ça ferme à clé. Super. Donc, bon, on peut déjà pas passer là. Encore une porte. Il faut quand même pas nous la fermer aussi. Ah, pump room. Je suis pas bilingue, mais je pense que c'est une salle des pompes. Peut-être des chaussures. Je suis désolé. Vanne de merde. La 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 la. Allez, on continue. Oh là. Oh là. Putain, deuxième salle des pompes. Il y a quelqu'un. Putain, ça avance vite en tout cas. Alors, est-ce qu'on avait des petits trucs à trouver par ici? Non. Moi, je pourrais me cacher, je m'en fous. Oh non. Il y a quelqu'un qui va rentrer. Il y a quelqu'un qui est rentré. Oh, il a un très très grand bras. Il a un grand... À moins que ça soit pas son bras, et là, ça me fait encore plus peur. Il bouge pas. Il est parti au ciel. C'est toi qui es parti au ciel, mon gars. Qui a laissé ton cerveau, là. J'aurais tellement envie d'avoir une arme. Je sors ne serait-ce qu'un tout petit flingue. Bah, une balle dans la tête. Tu continues le jeu, t'es royal, quoi. Là, j'ai... Il est un peu inconscient, quand même. Ce mec est un petit peu inconscient. Allez, on sort. Y'a pas de pile, sérieux, par là. Chier. Je suis sûr que je suis passé à côté de pile. Oh, regardez. Regardez. Vous l'avez vu? Il m'a entendu, l'enculé. Regardez. Putain, salopard de merde. Excusez-moi, je suis un petit peu...
Bon, Ouvre-la. Par où il vient? C'est là où j'étais au départ. Oh non, on fait chier. Tiens ça. Où est-ce qu'il va venir? Ça m'a l'air safe. Ça m'a l'air safe. Wow! Vous l'avez vu? Non, non, dégage, 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 dégage. Allez, cache-toi là-dessous, cache-toi là-dessous, il ne te trouvera pas. Oh mon Dieu. Bouh. Ça, on pouvait pas le faire avec les anciennes manettes. Pépère, tu veux la drogue? Oh mon Dieu. Ne bougeons pas. Un fantôme de plus. Je pourrais pas finir ce jeu. Je pourrais pas finir ce jeu. Alors, en plus, le chemin est long. Est-ce qu'il m'a fait une feinte et qu'il va revenir? Bon, il est reparti. Allez, je suis un petit fou. Je peux pas la cam. Putain, les piles s'usent à une vitesse. Donc là, est-ce que je peux le démarrer, le générateur? Le groupe électrogène, est-ce que je peux le démarrer? Non, c'est rouge. Enfant de chameau, à chaque fois il revient vers moi. Ah, je perds du temps là. Je n'ai rien contre les chameaux. Ils sont gentils, les chameaux. Putain, monsieur, reviens. Allez, vas-y, vas-y, monte ta gueule de con. On va te filmer un peu. On va voir. Oh, t'as une face de paix! Comment voulez-vous ne pas flipper? Il y a des bruits dans ce jeu. Tu te demandes comment il... Le mec qui jouait des instruments, je suis sûr qu'il se chiait dessus à chaque fois qu'il jouait. Je sais ce que je vais faire. Pour un petit coup. Allez, on se lance. Bon, est-ce que tu vas encore nous faire chier? On va attendre qu'il se casse. Vous imaginez pas comment je suis stressé. On remet une pile. Et on en ramasse une. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Priori, il y a que dalle, hein. Il n'y a que dalle dans cette pièce, donc il faut qu'on sorte. Est-ce qu'il y a... Ah, on peut continuer par là. Ok, donc il y a un mec en... qui est pas forcément dans un bon état. Ouh, une nouvelle pile. Ça, c'est cool.
Personne ne vient. On va continuer par là. Je sens que je suis en train de me perdre un petit peu là, mais... Allez, c'est pas grave. On continue. Allez, je suis à ma porte, hein, je prends plus de risques. Ok, y a pas de... Oh! Encore une pile! Mais il laisse traîner des piles partout! Hein. Merde, la planète, quoi. Ah, c'est peut-être ça. Donc là, j'ai tout activé, on est d'accord. J'ai tout activé. Et je sais pas pourquoi... J'ai trop peur, putain, j'ose pas sortir. J'ose pas sortir. Allez, on sort. Oh l'enculé, le v'là. Oh l'enculé, le voilà. Le voilà, bordel de merde. Putain, j'en étais sûr. C'est pas possible. Donc là, on a tout réenclenché. Il est juste devant moi, il est juste devant moi. Il ouvre systématiquement le casier à côté. J'ai une chance énorme. J'ai une chance énorme. Donc là, on va lui laisser le temps, hein, de partir. Éviter de se faire choper, ce serait cool. Allez. On sort. Qu'est-ce qu'il y a ici? Sérieux, ils nous font venir dans une porte, il n'y a que dalle. Et là? Ok, c'est fermé. Merde! Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu, l'enfoiré? Tu me verras pas, tu me verras pas, je m'en fiche, tu me verras pas. Donc là, vous ne voyez rien non plus, hein. C'est normal. Il faut être camouflé. Il faut vraiment être camouflé. Il est parti, là. Oui, il est parti. On est d'accord, il est parti. Putain, il m'a vu! Il m'a vu! Casse-toi, 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 casse-toi! Non! Non, il m'a vu! Il m'a vu! Ah! Ah! Cours, 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 cours! Run, baby, run! Run, baby, run! Non! Putain, il va me tuer! Il va me tuer! Je suis dans le coma! Je suis dans le coma! Je vais crever! Je vais mourir! I'm gonna die! I'm gonna die, motherfucker! Cache-toi! Cache-toi, connard! Cache-toi! Ok, reprends ta vie! Oh. Pouf. Là, le cœur que vous entendez dans le jeu, c'est le mien, là. Oh, putain. Oh, je vais crever. Je vais crever, sérieux. Tu me saoules, t'as que deux répliques dans... Ah, je... Je voudrais lui piquer sa batte de baseball. En fait, c'est pas un bras, hein, que j'ai vu tout à l'heure. C'est une batte de baseball. Avec des pics dessus. Je vais pas réussir à réenclencher l'électricité. Hein. C'est horrible de passer autant de temps sur un truc de merde. Allez, on fait pas de bruit. On avance tout doucement. Ok.
Il m'a pas vu. Putain d'enfoiré de merde. Je cours, je cours, je cours. Run baby, run, run, run baby, run. Vite, 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 motherfucker. Vite, cours, motherfucker. Allez, on se recache dans notre cachette favorite. Bon, on a bougé un petit peu. On a bougé un petit peu. En 10 minutes, je pense que ça fait à peu près 10 minutes qu'on est ensemble, on a appuyé sur 3 boutons. C'est une catastrophe. Mais vraiment. C'est honteux. Je suis vraiment désolé. Il n'y avait pas de gros minet. Fan des Looney Tunes, bonjour. Alors, on va peut-être te voir là-dedans. Bon, on y va là? Sérieux, tu vas nous laisser appuyer sur le truc ou pas? Moi, je veux juste aller en face là. Je sais pas ce que t'en penses, ma grosse, mais. Ouais, je me casse. Je me casse direct. Illuminé, vous avez obtenu un trophée. Ouais, merci, c'est gentil. Je sais pas quoi faire, je me casse. Bon, tout est allumé. On se sent bien. La lumière est belle. On est royal. Franchement, on est bien. Ah putain, je voyais pas du tout l'éclairage comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, tant mieux. Hein. Alors, l'objectif suivant, regagner le local de sécurité. Ouais, c'est bizarre quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'on... Bon, on y retourne. Bon, est-ce qu'il est encore là, lui? Alors attends, il a plus l'air assis. Oh, il est. Alors, il est debout, mais assis. Peter Languille, comment tu vas? Non, attends, on va pas. Ah, le petit bug du jeu. C'est pas grave. On y retourne. Bon, il a même pas peur. Hein. On a pris un petit peu de retard, donc forcément. Allez, déverrouiller les portes principales. Non, 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 non! Non! Oh putain! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. Oh monsieur propre, putain, mais lâche-moi! Oh, il est moche en plus, putain. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Mais qu'est-ce qui se passe? Aïe 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 aïe, mais laissez-moi sortir, voyons! Putain, c'est pas possible. À chaque fois que j'avance, je fais 4 pas en arrière. J'aurais jamais dû descendre de cette voiture. Oh mon dieu. Bon allez, ça charge. Bon, en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Je viens de dépasser la petite barre des 50 abonnés en 2 mois sur YouTube. Bon, bah voilà, avec l'activité que je peux avoir, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir. Bon, allez, on se réveille, mec. Ah, bah, je suis en tôle. Génial. Je suis changé. Non? Je suis complètement défoncé. Mais on est pas mal en fait là-dedans. Ah, il nous redonne notre caméra. On est pas mal là-dedans. Il peut rien nous arriver, non? Pour vous cacher. Oh là 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 là, c'est bien fait. Rappelez-vous que les notes sont ajoutées à votre carnet lorsque votre caméscope est levée en position de tournage. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles notes? On va aller regarder ça vite fait.
Des hommes brisés et une télé HS. Une foule de types brisés qui regardent en direct. D'accord. Vous avez pu mettre pause, hein, normalement. Ouah! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah bah, il nous ouvre. Merci, mec. T'es où? Zizou! Mais Zizou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, les gens, ils sont pas contents ici. Mon dieu, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, c'est l'autre qui a sorti son bras. Tu veux voir si tu peux m'attraper? Oh, t'es pas beau! T'es pas beau, je te filme, la 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 la, montre-moi tes dents. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Allez, on continue. Ça va, monsieur? C'est ce qu'il a dit. Mais quand le chat n'est pas là. Oh là là, mais comment ils ont pu te faire ça? Bon, ça a l'air relatif. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Ok, les mecs, ils veulent me tuer maintenant. C'est cool. Ça, on peut pas ouvrir. Bon, on était ici. Rest in peace. Ok. Est-ce qu'on peut passer là? Ok, c'est fermé à clé. Donc, il va falloir descendre avec les petits foufous. Bon, logiquement, il se passe pas grand-chose. Ils sont... Messieurs, bonjour. On peut voir votre tête? Ah bah, on voit pas que votre tête. D'accord. C'est plus du... Vincent Moscato. Retrouvez le Moscato Show de 18h à 20h tous les jours sur RMC. Et lui, c'est qui? Ouais, je... Bah, Rocco, peut-être. Oh mon dieu, mais il est horrible ce jeu quand même, quand j'y repense. Bon, est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, bah vas-y, ouvre ta porte, ferme ta porte. On dirait que tu as vu un fantôme. Mais les gars, vous vous rendez pas compte? Vous êtes complètement cinglés. Bon, il n'y a rien par ici, même pas une petite pile à récupérer. En même temps, je vois pas pourquoi ils auraient des piles. Non, je vois pas pourquoi ils auraient des piles. Bon, toi, il te manque des bras, mais tu vas pas me sauter dessus. Qu'est-ce qui marche? Oh putain! Oh, j'ai sursauté comme un malade. Le truc, c'est que je sais pas par où il faut passer, plus dormir, l'espace. Lui, il se tape partout la tête, d'accord. Ferme la clé. Oh putain, mais. C'est horrible, bon Dieu. Comment c'est bien fait. Ouais, c'est par là. Il n'y a pas de souci à se faire. Pourquoi il me dit ne bouge pas? Pourquoi il dit ne bouge pas, le monsieur? Putain, je sais pas quoi faire. Bah, faut avancer, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est là. Oh putain, je suis tombé! Non mais je me casse moi les gars. C'est moi qui suis malade. Le mec il vient de me foutre la peur de ma vie, c'est moi qui suis malade.
Bon, d'accord. Les gens sont fous un petit peu. Les gens sont fous. On va pas tarder à se laisser, les amis. D'accord, on arrive ici. Alors, voyons voir si on peut aller par ici. J'imagine que non. J'imagine que non. Et par ici, c'est là que je suis allé tout à l'heure, non? Ouais, c'est là où l'autre courait. Ok. Alors, bah écoutez, je vous propose qu'on se laisse ici. On reprendra pour... On reprendra l'épisode suivant. L'épisode 3, donc. On va se poser ici. Voilà, on est nickel. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vraiment, je lis les commentaires et je prends bonne note de toutes les critiques constructives. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ou vraiment un dislike, s'il est mérité. Voilà, je prends tout. Et puis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas surtout à partager. À partager auprès de vos amis, de vos abonnés cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. C'était Créasolis. Je vous dis à très très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Yeah!